son réquisitoire et aura l'air d'être attentive aux protestations des accusés. Puis, poliment, elle fera semblant de trancher. Mais son opinion est déjà faite. Les accusés auront fort à faire pour la couronne, car pour la reine, tout a joué depuis longtemps, très longtemps. Autour d'elle, ses sujets, les suivants, les ravissantes petites poupées assises à ses pieds. La dame avec le masque, c'est la grande prêtresse. Avec son bâton magique, elle est capable, en un tour de main, d'évoquer aussi bien les dieux protecteurs de l'île que les démons de l'enfer. C'est elle qui appliquera la sentence. Les géants costauds et musclés que vous voyez tout au fond, ce sont les gardes chargés de protéger la cité de tout danger. Ils exécuteront les ordres de la reine et suivront les instructions de la prêtresse sans état d'âme. Quant à ces trois gaillards qui se tiennent à ma droite, je crois que vous les reconnaissez. Vous les citez à tout propos. Ce sont vos seules références. Si, si. Oui, le noir a l'air farouche. Oui, c'est Dessalines, le grand, l'unique Jean-Jacques Dessalines. Et le gros à côté de lui. Allons donc. Vous avez trouvé? C'est Christophe, bien sûr, notre bon roi Henri. Et l'autre là-bas, figé dans sa suffisance. C'est Alexandre Bétion, bien sûr. La dame, assise sur la chaise, attentive à son ouvrage, c'est Catherine Flambe. Vous vous souvenez d'elle, non? Mais si, la couturière, celle qui a cousu le drapeau. Là-bas, un peu plus loin, vous avez les esclaves. Vous devez vous demander ce que fait tout ce bon monde réuni ensemble. Et pourquoi ils ont l'air si furieux? C'est qu'ils ont des comptes à régler. Ce sont les accusateurs. Ils se sont portés partie civile contre ces jeunes filles. Eh oui, les cinq que vous voyez affaler ici. Mignonne, hein? Dommage, ce sont les accusés. Les pauvrettes ne comprennent pas ce qui leur arrive. Ce sont cinq jeunes filles, bien ordinaires, bien de leur temps, bien de leur monde, ni plus ni moins méchantes que d'autres. Et elles ne sont guère préparées à affronter ce procès. Elles ne sont même pas conscientes d'être coupables de quoi que ce soit. Maintenant que tous les personnages vous ont été présentés, ils vont vous jouer leur histoire. Tout a commencé le plus banalement possible. C'était le début des vacances. Les cinq jeunes filles s'ennuyaient faire et elles décidèrent de relever le défi lancé par leurs copains, franchir le pic des abîmes. Elles ne savaient pas dès lors qu'elles devenaient les instruments de destin qui les dépassaient. Elles ne savaient pas qu'elles déclenchaient l'accomplissement de la légende. La légende de Kiskeya! Ah!
sur la piste des abîmes, ton souvenir nous a fait découvrir cette pierre immense. Exactly. C'est ça, une pierre qui portait des destins étranges. Oui, c'est exactement ça. J'étais en train de les toucher quand tout d'un coup, il y eut cette sensation de vide sous mon pied. Mais oui, le noir et puis le vide. Impossible de distinguer quoi que ce soit de cette pénombre. Attends, c'est vous, tu as bien une lampe dans ton sac à dos. Mais non, et puis de toute façon, nous devrions être de retour à la nuit. Mais si, je te dis que oui, c'est moi qui l'ai mise dans mon sac. Comme ça, comme ça. Comme ça, pour qu'il soit en sécurité. Cherche. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? En sécurité dans mon sac. Une trousse de maquillage. Du parfum. Une brosse. Un peigne. Mais je comprends pourquoi mon sac semblait si lourd. Elle t'a bien eu. Voilà, tu y es, ma chère. Je ne vois pas ma bouteille d'eau. Va donc la chercher. Comme ça, tu seras utile à quelqu'un d'autre que ta chère Joël. Mais qui t'a autorisé? Elle n'est pas ta bonne Joël. Et pendant ce temps, regarde-toi. Tu te promènes légère comme une plume avec un petit sac à la main. Mais tu ne te gênes pas. Toujours en train de défendre les causes perdues. Ok? Laurie, quand est-ce que tu comprendras que ça plaît à Tizou d'être la bonne de Joël? Franchement, Jo, tu exagères. Une trousse de maquillage, du parfum, pour une journée d'excursion en montagne. Oh, oh, mais qu'est-ce que vous avez? Il faut se tenir prête pour n'importe quelle éventualité. Oh, oh. Et si les garçons avaient décidé de nous suivre? Vous auriez voulu qu'ils me voient toute défraîchie? Joël, Joël, combien de fois ne t'ai-je pas dit de ne pas accorder autant d'importance à ton apparence physique? Mais ce n'est pas ça qui fait la valeur d'une femme. Écoute, Sylvie, libre à toi de jouer à la féministe qui ne se soucie pas de son look. Tu n'as qu'à finir vieille fille. Ah, parce que si on ne porte pas des peintures de guerre, on n'a aucune chance d'attirer les garçons, c'est ça? Oh, les filles, voici le flash. Attendez, attendez, je l'allume. Une grotte. Mais comment sommes-nous arrivés jusqu'ici? Oh! Non mais, regardez! Venez voir! Mais, regardez! C'est un totem avec des motifs indiens semblables à ceux gravés sur la pierre que nous examinions tout à l'heure. Des motifs indiens, Sylvie? Are you sure? Absolument! Je prépare un dossier là-dessus. De plus, mon grand-père est un passionné d'archéologie. Il a toute une collection d'objets qu'il me montre depuis que je suis haute comme trois pommes. Oui, oui, oui. Mais comment sommes-nous arrivés jusqu'ici? Le sol a dû se dérober sous nos pieds lorsque nous étions à l'air libre et nous sommes tombés. Wait a minute. Wait a minute. Yes! Je crois effectivement me souvenir d'une sensation de chute. I mean, d'une sensation de chute vertigineuse. Moi aussi, that's the word. Je crois, je crois. Non, 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 impossible, oui, impossible. Regardez bien cette paroi. Il n'y a aucun trou, aucun creux. Or, si nous étions tombés, il y aurait eu vide. Or, il n'y a rien, absolument rien, que des couloirs obscurs qui ne laissent deviner aucune sortie. Si nous avions dû marcher et marcher pour arriver jusqu'ici, au moins l'une d'entre nous s'en serait rappelée. Oh mon Dieu, les filles, quoi? Je crois comprendre ce qui nous arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Peut-être, peut-être que nous avons été kidnappés par des ingrédients. Oh mon Dieu. La sécurité est tellement... Arrête! Arrête de répéter ce que tu entends dire dans les salons comme un perroquet. Nous sommes à milieu de Port-au-Prince, en pleine nature. Qu'est-ce que des zinglindos viendraient chercher par là? C'est vrai? Eh bien... Eh bien alors, qu'est-ce que nous faisons? Je ne sais combien de pieds sous terre. Mon Dieu! C'est la malédiction! Quoi? La malédiction du pic des abîmes! La malédiction de quoi? La malédiction du pic des abîmes! Mais oui! Tout le monde ici la connaît. Elle prétend que quiconque dépasse la piste des abîmes disparaîtrait à tout jamais, happé par un grand souffle de
On appelle cette vieille croyance la malédiction du pic des abîmes. Wow! Je comprends. Je comprends pourquoi ces messieurs étaient si sûrs de gagner en nous mettant à défi de franchir le pic des abîmes. Personne n'y va jamais depuis que groupe de chasseurs fut porté disparu depuis l'été 1980. Comment? Non mais excuse-moi! Tu savais tout ça et c'est maintenant que tu le dis? Ouais, pour me faire traiter de petite provinciale superstitieuse. Remarque, ce ne serait pas totalement faux. De toute façon, c'est des conneries, ces histoires-là. D'accord, d'accord. Je veux rentrer chez moi. You must be joking. Vous n'allez quand même pas me dire que vous allez croire à toutes ces sonnettes. Relax, non, mesdames. J'y crois, moi. Je veux rentrer chez moi. Ça va, Joël. D'ailleurs, c'est ta faute, tout ce gâchis. Ma faute? Qui a lancé ce défi stupide au garçon? Et tout ça pour un vulgaire concert de strings auquel je me serais fait inviter de toute façon. Jesus. Toi, avec tes minauderies, peu t'importe le respect des hommes. Et seul t'intéresse le regard concupiscent. Et alors? Parce qu'ils vont te respecter, toi, parce que tu as franchi la piste des abîmes? Si ton aspiration à toi est de te faire passer pour Superwoman, libre à toi. Mon ambition n'arrive pas si loin. En fait, je veux juste pouvoir choisir un homme. Bien entendu, le plus beau et le plus riche. Et en faire mon mari. Je n'ai que faire de l'estime des hommes. Il me faut sentir leur regard et leur désir. Et je me sens bien, ok? Bon, allons, allons, allons. Consolez-vous, les filles, ok? On n'est pas venus ici pour rien. J'ai entendu Manu parier 500 dollars avec le grand-père de Réginald. Ah bon? Tu as fait ça? 500 dollars? Allons donc, les filles. Vous ne croyez tout de même pas que j'allais m'esquinter en gravissant cette montagne juste pour montrer aux garçons que nous étions capables de le faire? Soyons sérieux. Ah. Et je suppose que si Tizou n'avait rien dit, nous n'aurions jamais vu la couleur de cet argent. 500 dollars? Ow! Je croyais que ce n'était pas important pour vous. Hein, Sylvie? Hein, Joël? L'essentiel, n'était-ce pas, d'épater les garçons? Toi, Joël, en leur montrant ta ravissante tenue spéciale excursion, et toi, Sylvie, en leur prouvant qu'une femme pouvait faire aussi bien et même mieux que nous. C'est ma mort! Oui, ma bad notre choix. En tout cas, mesdames, je vous donne une garantie. Parce que je connais la valise Super Hugo. S'il a pu parier 600 dollars avec Manu, c'est qu'il était certain que nous n'arrivions jamais au pic des abîmes. Nous n'aurions jamais dû se lancer dans cette aventure sans plus d'informations, non, mesdames? Ouh là 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 là. Non mais de quel perlin nous nous sommes fourrés? Ce n'est pas perlin qu'on dit en français, mais pétrin! Oh! Je viens
plaît pas. Moi, je les trouve ridicules. Tu trouves? Absolument. Celui-là, il n'est pas mal pourtant. Oui, vous joignons. Non, mais regardez comme il est musclé. Que nous, les Indiens, nous disparaîtrions progressivement, faisant semblant de fuir vers le bas Waco, tandis que discrètement, les survivants prenaient le chemin de sites inaccessibles auxquels on ne pouvait accéder qu'à travers un passage souterrain et qui allait devenir Quisqueya, la cité secrète. Les chefs noirs plus endurcis au combat jurèrent de chasser les colons de cette terre et promirent de prendre soin de cette île qui leur rappelait tant leur terre natale. Oui, mais ça fait 2 siècles que les Blancs sont partis. Nous l'avons su. Vos ancêtres ont tenu parole et nous ont fait chercher en maintes fois, nous proposant de partager l'île. Mais à chaque fois, nous avons toujours refusé de mettre notre peuple en danger. À chaque fois, les oracles consultés nous faisaient comprendre que la menace représentée par les colons était toujours présente, même quand elle semblait définitivement éloignée. C'est faux! D'ailleurs, ça fait 2 siècles depuis que nous sommes libres. En êtes-vous réellement sûr? Mais arrêtez de m'interrompre. Je disais donc que nous n'avions jamais voulu revenir en haut pour préserver notre peuple. Mais surtout, nous voulions respecter le pacte. Un pacte? Quel pacte? Mes ancêtres avaient confié l'île aux vôtres, oui. Mais pour une durée de 5 siècles.
Au bout de cette période, les dieux de l'île auraient à trancher. Si les descendants des Noirs s'étaient montrés indignes de la confiance que le peuple indien avait placée en eux, ils seraient exterminés. Et les habitants de Quisqueya, désormais prêts à affronter leurs ennemis, reprendraient le contrôle de l'île. Si par contre, ils avaient respecté et fait prospérer le territoire qui leur était confié, les Indiens devraient vivre à tout jamais cachés. L'arrivée de ces descendants des Noirs à Quisqueya serait le signe attendu et indiquerait l'accomplissement de la prophétie. Une fois parvenus à Quisqueya, ces représentants du pays d'en haut devraient être capturés et traduits devant un tribunal sacré qui déciderait du sort des deux peuples. Nous vous attendions. Ça, ça, c'est bon. Du bon, oui. Ok, ok, bon. Allez, madame, soyez chic. Montrez-nous le chemin du retour et on vous promet de ne plus poser de questions. Ok? Non! Attends! Je déteste cette désinvolture qu'affichent souvent les gens de votre peuple. Ai-je l'air de plaisanter? Mon Dieu! Je crois. J'ai l'impression d'avoir déjà entendu cette histoire. Oui. Mais oui, ma servante, ta mère, Tizou, elle me racontait toujours cette histoire. Oui, Joël, la légende de Quisqueya. Sauf que ce n'est ni un conte, ni une légende. C'est une prophétie. C'est très différent. Non, c'est pas possible. En plein 20e siècle, c'est une histoire dormie ou debout, voyons. Vous êtes de mèche avec les garçons, c'est ça? It's a joke, hein? Écoutez, je veux rentrer chez moi. Je veux... Attends-moi! Je veux rentrer chez moi! Je vous conseille de vous calmer. Vous allez avoir besoin de tout votre sang-froid pour vous défendre lors du procès. Procès? Défendre? Mais de quoi? Mais nous n'avons rien fait, madame. D'ailleurs, nous sommes arrivés ici tout à fait par hasard. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de fou, hein? Nous sommes coupables de quoi? Nous ne savons pas encore si vous êtes coupable. Le tribunal sacré en décidera. Mais, pour le moment, il vous incombe la responsabilité de défendre votre peuple. Et d'après les récits que nous rapportent les éclaireurs, que nous envoyons parfois vous observer, vous avez du pain sur la planche. Cela va être difficile de justifier le comportement que vous et les vôtres avez adopté depuis bientôt 2 siècles. Ce sont les dieux de l'île qui vous ont guidé jusqu'ici. Dès que vous avez emprunté la piste des abîmes, la prophétie a commencé à se réaliser. Vous avez été choisis. Faites honneur à votre peuple. Quels que soient les torts de vos compatriotes, on ne peut pas leur reprocher de manquer de courage. Allons, un peu de dignité. Qui êtes-vous pour nous parler sur ce ton? Espèce de macaque déguisée en perroquet. Je suis Anakaouna, la 16e du nom, cacique de Quisqueya. Vous semblez l'oublier. Je pourrais vous faire regretter amèrement de me parler sur ce ton. Mais je comprends que vous soyez perturbés. Je vous laisse donc reprendre vos esprits. Dans quelques heures, la grande prêtresse viendra vous préparer pour la cérémonie. Vous serez initiés au culte des anciens, les nôtres et les vôtres. Sans cette initiation, le tribunal sacré ne pourra communiquer avec vous. Grande prêtresse, prenez la disposition pour que la cérémonie commence le plus tôt que possible. Ou pas quoi. Il en sera fait selon votre désir, Majesté. Atanoa, Inakoué, Msitio Valoe Nida, Pokateni Lozateoué, ou pas quoi.
ça, au garçon, ils ne vont jamais. Yo pral rage net, mais c'est nos filles ou bagay comme ça. Veux rentrer chez moi. Sainte Vierge, je vous promets de faire un pèlerinage à Perpétuel si vous me ramenez chez moi avant ce soir. Non, non, je promets deux pèlerinages si vous me faites revenir à temps pour le bal de ce soir. Nous reposer. La dame nous dit de nous reposer. Comme si c'était possible de se reposer avec un stress pareil. Oh! Pas qu'arrêter sans pas parler, non? M'a fou! T'aimerais veiller, mesdames. On déconne ça. J'avais un mauvais pressentiment. On n'aurait jamais dû faire cette excursion. Mais personne ne m'aurait cru si j'en avais parlé. Oh oh! A pas l'heure de sa tekem? Oh oh! Pas grand-yé qu'a fait m'ouvrir jeune là. On nous dit dormi, dormi, c'est dormi. Ti moun sa toujours fait rebelle. Oui, foot! Nous gèlè pou. Pas comprenant yé. Poudi. Ouais, c'est ta yon plaisanterie, ti messieurs, ta fait qui ta l'homme comme ça. Et puis, quand tu t'es barré avec toute bonne mardi gramal masqué ça yon. En tout cas, tout jan, y'a obligé qu'aller m'kop pour te parier avec yon, oui. Bon, gris malgré, nous franchis avec des amis, non. Les filles, vous dormez? Oui, oui, on dort. Oh, mais non, je laissais passer le temps un peu. Juste pour voir finir ces espionnaires. Comment pourrait-on dormir pour cette grotte horrible qui sent le moisi? Chut! Sur ce tas de pierres. Chut! Recouchez-vous, taisez-vous. Nana m'a dit de dormir. Dormons. Oh oh. Ou même mon pape, j'en me quitte, dépité, j'approuve. Oh, là, ils sont partis, je crois. Non, ça y est, crazy. Les filles. Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est vrai? On va peut-être subir un procès et disparaître avec tous les Haïtiens. Mais enfin, les filles, 7 millions de personnes ne disparaissent pas ici. Tu ne sais pas et je ne sais pas non plus. Ils sont bien disparus, eux. Ouais. Il y aurait une cité secrète en Haïti et on ne l'aurait jamais su. La CIA ne l'aurait pas découverte à travers ses satellites et ses réseaux de surveillance. Manu! Mesdames, réveillez-vous. De toute façon, il n'y a pas de système de surveillance infaillible. OK? Bon, OK.